Je suis le directeur des éditions du patrimoine, qui est le département éditorial, la direction des éditions du Centre des monuments nationaux, donc établissement public du ministère de la Culture, qui gère et ouvre à la visite une centaine de monuments en France, dont autour de Bordeaux, la tour Péberlan, le château de Cadillac, l'abbaye de la Sauve-Majeure, le site de Montcarré, la grotte de Père-Non-Père. Et puis, à travers la France, il y a des sites très connus et très fréquentés, comme le Mont-Saint-Michel ou l'Arc de Triomphe, et puis des sites plus modestes, comme le château de Charay-Saint-Rat, le château de Villeneuve-Lambron. Le système du centre, c'est la péréquation, c'est-à-dire que les grands monuments aident les petits à se financer. Voilà, c'est un réseau vertueux. Et donc, la direction des éditions, qui publie sous la marque Édition du patrimoine. Elle publie d'abord et avant tout pour le centre et pour ses monuments, donc des guides de visite, des monographies d'édifices. J'ai avec moi ici le guide itinéraire du château de Cadillac, c'est une nouvelle édition qui est parue il y a quelques semaines, en français et en anglais, et qui rend compte de tous les travaux qui ont été faits depuis le début des années 2000 dans ce château de la région de Bordeaux. Les éditions du patrimoine publient aussi, en dehors du réseau strictement Centre des Monuments Nationaux, pour des partenaires qui nous sollicitent, notamment pour créer des titres dédiés à leurs monuments dans les grandes collections très connues, comme Itinéraire ou Regard. Et puis nous avons également une mission d'éditeur délégué du ministère de la Culture. Et dans le cadre de cette mission, nous publions des ouvrages scientifiques et des monographies, des livres d'art, des beaux livres sur certaines des missions du ministère, l'archéologie, les monuments historiques, l'inventaire, l'histoire de l'architecture contemporaine française. Autant de sujets qui donnent lieu à de très beaux ouvrages, en tout cas nous l'espérons. Nous publions à peu près chaque année entre 30 et 40 nouveautés. Notre catalogue comporte environ 600 titres. On a une particularité dans le paysage éditorial, c'est d'être vraiment un éditeur de fond, plus qu'un éditeur de nouveautés. Et donc ces 600 titres sont vivants dans notre catalogue. Pour ce qui est des nouveautés et pour cette année 2017, je voudrais peut-être mettre l'accent sur les quelques gros, beaux livres de fin d'année, en commençant par le premier qui est dédié à la tapisserie française. Ce sera la monographie de référence sur l'histoire de la tapisserie française du Moyen-Âge à nos jours. Et ce qu'on a voulu faire avec cet ouvrage, c'est vraiment dépoussiérer le sujet qui est un peu austère, il faut bien le dire, qui n'est pas forcément, a priori, un sujet des plus porteurs. C'est aussi notre mission d'éditeur public de porter ce genre de sujet un peu difficile et de le diffuser auprès du plus grand nombre. Et donc, vous allez avoir avec cet ouvrage un voyage dans l'histoire de la tapisserie française et je dirais, dans la tapisserie, avec des reproductions en très haute définition qui permettent presque de compter les fils de la tapisserie et de rentrer dans la réalité de ce matériau tellement précieux et tellement fin, qui demande des heures de travail et pour lesquelles les plus grands artistes, depuis le Moyen-Âge jusqu'à encore aujourd'hui, les plus grands artistes travaillent avec les manufactures qui sont encore en activité en France et qui produisent encore de la tapisserie, les Gobelins, Aubusson, Beauvais. Autant de partenaires et d'institutions avec qui nous avons travaillé pour cet ouvrage. Notre deuxième grand beau livre de fin d'année, qui paraîtra aussi vers la fin octobre-novembre, c'est un livre dédié au patrimoine ferroviaire que nous faisons avec les services du ministère de la Culture. Et donc il s'agit de présenter le patrimoine ferroviaire, alors avec un angle un peu original qui est celui du patrimoine roulant, du matériel roulant, les wagons, les locomotives qui sont soit protégés au titre des monuments historiques. Aujourd'hui, il y a, si je ne dis pas de bêtises, à peu près 500 matériels roulants classés au titre des monuments historiques. Et puis ce matériel peut être aussi protégé et valorisé
par la constitution de collections de musées. C'est ce qu'a fait la SNCF avec la Cité du Train à Mulhouse. Là aussi, nous sommes partenaires de la SNCF dans le cadre de, cet ouvrage, dont l'idée est vraiment de brosser l'histoire du chemin de fer à travers ces matériels, depuis la première ligne Saint-Étienne-Andrézieux, qui était en 1827, jusqu'à l'arrivée du TGV à la fin des années 70. Donc ça aussi, ce sera un très bel ouvrage pour cette fin d'année.